Renforcer les dispositifs de sécurité au niveau des aéroports du Royaume, pari réussi par les autorités marocaines. Voilà ce qui ressort principalement de la réunion tenue hier au siège du ministère de l'Intérieur à Rabat, en présence de toutes les parties concernées. En effet, il a été relevé que les dispositifs de sécurité se sont considérablement améliorés ces dernières années dans les différents aéroports nationaux. Cette avancée a été possible grâce aux efforts consentis par tous les départements impliqués, notamment en ce qui concerne la mise à niveau de la réglementation marocaine selon les standards internationaux et la généralisation d'équipements de contrôle et de sûreté. Pendant la réunion d'hier, le ministre de l'Intérieur a également rappelé l'évolution de la réglementation internationale. Il a dans ce sens sensibilisé les présents sur l'importance de la révision continue des textes réglementaires régissant le domaine aérien. L'accent a été particulièrement mis sur la formation qui demeure un axe très important pour le développement des compétences dans le circuit du traitement des passagers, mais également des marchandises. Et cela sans oublier l'importance stratégique des projets initiés par le Maroc dans le cadre de la coopération bilatérale avec plusieurs pays partenaires. De grands efforts donc, des résultats satisfaisants, mais le département de l'Intérieur aspire à renforcer l'arsenal déjà en vigueur. D'ailleurs, l'appel a été lancé hier à tous les intervenants pour redoubler d'efforts et mettre un nouveau plan d'action global. L'objectif n'est pas seulement de renforcer les dispositifs de sécurité, mais également d'améliorer la qualité des prestations fournies aux usagers.